Après cette journée mouvementée qui touche à sa fin, on est, vous avez vu durant la pause de 3 heures après l'exercice de feu, qu'il y avait 2 affiches qui ont été présentées par des étudiants. Alors, l'idée de ce concours a été discutée dans le comité quand on a organisé ce colloque, puis on trouvait que faire une présentation par affiche pouvait aider justement les étudiants à faire connaître ce qu'ils font. Et on a réalisé aussi qu'il y avait de plus en plus d'étudiants de deuxième et de troisième cycle qui travaillent en éthique. Alors ça, c'est vraiment un apport important de pionniers qui ont fait émerger l'éthique au Québec. Et donc, on a lancé cette idée-là de produire une affiche et on en a reçu 2. Et vous avez vu, durant la pause, on avait demandé aux 2 étudiants de présenter leur affiche et ils ont mis tout leur cœur. Le comité a été très, très, très impressionné. Et évidemment, dans tout concours, bien, il y a un gagnant. Mais je tiens à souligner la qualité de ces 2 affiches, de ces 2 présentations-là, que c'est vraiment admirable. Puis je vais tout de suite en profiter pour vous applaudir, les 2 étudiants. Il y avait Nicolas Servan-Caron et Isabelle Hudon. Je ne sais pas si Isabelle est partie. Ah. Donc, puis quand on organise un concours, bien, ça nous prend un symbole. On s'est dit comme comité, ça nous prend un prix avec un nom. Et pour nous, le nom qui est venu automatiquement à l'esprit, ça a été le nom de Georges Legault. Parce que pour nous, c'est un pionnier en éthique, surtout au niveau de l'intervention en éthique. Et je vais mettre mes lunettes pour lire ma feuille parce que je ne veux rien oublier. Alors, on voulait vraiment, en créant ce prix, tenir à souligner la contribution remarquable de Georges Legault au développement de l'éthique appliquée au Québec et de l'éthique organisationnelle en particulier. Il a un doctorat en philo du droit, il a fait des recherches sur la formation morale, puis l'éthique professionnelle. Je me rappelle même dans les années 80, il était impliqué avec le groupe Ethos à l'Université du Québec à Rimouski, qui était composé de Pierre Fortin, Monique Dumais. Et déjà, on avait des discussions multidisciplinaires, hein, du moins à l'époque, où on réfléchissait aux questions d'éthique professionnelle, aux interventions qu'on avait sur le terrain. Donc, déjà dans les années 80, c'était présent et ça a été fait grâce à l'impulsion de Georges Legault. Alors, on peut dire en quelque sorte qu'il a labouré le champ, il a semé des graines. Puis c'est formidable de voir aujourd'hui qu'on est rendu, avec Luc, on se disait ça durant la pause, c'est le 2e colloque international qui a été organisé. Le premier a été en 2008 et là, on en est à un 2e. Puis, ça ne fait que commencer le prix Georges Legault, M. Legault, on tient à vous le dire. Donc, il a aussi écrit un ouvrage, bien, plusieurs ouvrages, mais dont un qui s'intitule « Le professionnalisme et la délibération éthique », qui est utilisé dans multiples formations universitaires, mais aussi en milieu de travail. Il n'est pas rare de rentrer dans une organisation puis d'entendre le modèle Legault qui est utilisé. Il a fait de nombreuses publications académiques, un travail énorme de terrain auprès d'organismes publics, parapublics et privés. Il a pratiqué et théorisé l'intervention en éthique parce que sans lui, on était perdu. Et grâce à sa contribution, bien, on avait quand même des éléments à discuter, à critiquer. C'était excellent pour tout professeur d'université. Il a pris sa retraite en 2008. Il est maintenant professeur associé à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Par contre, il est très investi depuis 2006 dans des travaux sur les nanotechnologies, dans une perspective, et vous allez reconnaître l'homme, d'accompagnement pour les sciences humaines du développement des nanotechnologies. Donc, ça va vraiment avec l'homme. Il participe aussi, on peut même, je le dis en passant au professeur, on peut même l'inviter puis il va venir. C'est très rare qu'il dise non. Il vient avec toute sa générosité puis c'est tellement agréable. Et c'est pas rare aussi d'entendre les étudiants dire « j'ai enfin compris » parce que c'est un grand vulgarisateur. Donc, et il soutient même encore des étudiants au doctorat et je ne sais pas à la maîtrise, mais je sais qu'il y en a encore au doctorat. Et je me disais, quels sont les mots pour décrire Georges Legault? Eh bien, je vous les livre. Il y en a plein, mais je me suis arrêtée à 3 parce que j'aime bien les trilogies. C'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui a le souci d'autrui et surtout, c'est un homme de partage. Alors, je me disais, un prix Georges Legault, c'est bien parfait, hein, n'est-ce pas? Et on trouvait que ça allait très bien avec l'homme. Puis, on voulait le décerner à des étudiants parce que
Ça exprime très bien la contribution qu'il a eue pour de multiples personnes. Alors, ça m'amène à vous dire qui est le gagnant du prix Georges Legault. Et comme vous le savez, c'est pas facile parce que je voyais le comité, encore une fois, hésiter, etc. Mais il fallait trancher, évidemment. Et je m'amuse souvent à dire que l'éthique, c'est comme... c'est pas un couteau qui tranche, mais c'est un fil qui coud. Mais là, dans ce cas-ci, il a fallu trancher et on a décerné le prix à Mme Isabelle Hudon. Alors, j'invite Isabelle et M. Georges Legault à venir en avant pour la remise du prix. De pouvoir t'offrir ce prix parce que je pense que pour n'importe quel professeur, chercheur, ce qui compte, c'est toujours la relève. Et pour moi, je ne pensais jamais quand on a démarré cette aventure-là, je rappelle à Rimouski avec Pierre Fortin et les autres, je ne pensais jamais à cette époque-là, lui qui était étudiant. donc vous voyez l'âge, je ne vais pas avoir écrit. Alors, on ne pensait jamais que ça allait lever, que qui parlait des hasards. donc, c'est pas le mérite. Le hasard a fait que ça a marché. Il y avait un bon timing. Et ce que je trouve beau, c'est que malgré toutes les difficultés, qu'il y a des gens comme toi qui continuent dans ce domaine-là. Et que pour nous, la seule chose qui nous reste, c'est de vous féliciter, de vous encourager, puis de prendre la relève et de faire votre place. Et l'affiche a déjà démontré ce que vous avez comme compétence et je vous souhaite de continuer dans la vie. Merci. Alors, Isabelle va recevoir un prix de 500 $ pour son affiche. Puis aussi, merci Nicolas, parce que vraiment, on a trouvé que c'était des affiches très professionnelles. Puis, on voudrait aussi les exposer à l'Institut d'éthique appliquée, si vous acceptez. Je sais que aussi, si vous voulez faire des communications dans d'autres congrès, on vous invite, on vous encourage à la réutiliser. Mais si vous acceptez, on aimerait bien exposer vos deux affiches à l'Institut. Puis, de nous envoyer vos présentations sous forme de PowerPoint pour que vous puissiez mieux les voir sur le site de l'Institut d'éthique appliquée.